Mazarou, les sourcils c'est le plus important et c'est tout ce qui compte. Il fait quoi? Eh hey, Kamel, tu joues, quoi, en, tu joues en sensitif ou pas? Ça va aller. Oh, réveille-toi ce bif, frère! Maka? Les deux petits chiens m'ont coupé les cheveux. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Ils m'ont envoyé des amis en Dedetan, et coup, je lui ai mis un coup de poing. T'inquiète, ça va. Mon style. Ça va repousser vite, ça va repousser vite. Oh, y'en a plus Simdarg là, juste derrière. Bande d'idiots! Oh, le. Les chaînes ils stream à 1h25 du matin. Wesh, la tête elle est concentrée, hein. Wesh, on dirait il va embrouiller l'écran, wesh. Et puis t'as besoin d'aide. Il a besoin de quoi? Tu dois cut le stream et aller dans le BIOS. Je sais même pas cut le stream, alors aller dans le BIOS. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Je vais pas m'abonner à Google Traduction, connard. À bientôt. Bizarre la recommandation. La fin horrible de The Kairi 78. Ah là, je me régale. Moi, je suis un ouf, je stream. J'ai juste à regarder des streams, je meurs de rire, frère. Je sais pas comment aller dans le BIOS. Mais si, je sais comment aller dans le BIOS, mais j'ai pas les... Oh, le menteur. J'ai pas les tournevis et tout pour ouvrir les... Ah. Pour ouvrir, là, il y a des vis dessus. Quel tournevis il parle, frère. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Il faut bien que j'arrive à dévisser les trucs, la plaque qui est devant, là. Tu veux jouer à Valorant ou tu veux pas jouer? Bah, en fait, je veux, mais mon ordi veut pas. Je crois faut aller dans le BIOS, mais j'ai pas de tournevis. Ouais, t'as pas de tournevis, tu veux pas y aller, hein. Ouais, bah oui. C'est pas dans le PC, le BIOS, hein. Tu dois redémarrer ton PC et appuyer genre sur F11 ou un truc comme as. Ouais, comme ça, je perds mes 10 000 viewers. Tu veux que je te host avant ou pas? Wesh. Wesh, Zach. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. C'est un truc de grand, là, qui se prépare. Les gars, il va mettre 4 heures pour faire le tuto, ce Ok. Paf. Paf, paf. Tiens, Samuel Etienne, tiens le vieux. Paf. Pardon. Faut que j'aille voir ça. Et 4 à la suite, 1, 2, 3, 4. Pardon. Hello Samuel. Eh hey, salut, c'est qui? C'est Zach. Zach, c'est surréaliste. Alors attends, donc il y a Kamel, Zach, donc Asia, une vieweuse qui joue avec moi qui est adorable. Et c'est qui votre cinquième alors? T'inquiète, il est en train de finir le tutoriel là, il arrive. Bonsoir messieurs. Oh l'entrée. Oh l'entrée royale. Ça va Péfut? Ça va et toi Samuel? On s'est parlé par raid interposé récemment. Exactement. Mais on s'est jamais croisé encore je pense, hein. Non pas encore, mais il y a que les montagnes qui se croisent pas, donc ça devrait pas tarder. Okay, est-ce que je peux faire un test de mon micro, aussi, de mon micro in-game ou pas? Vas-y, parle in-game pour voir. Oh, je pense que vous êtes pas prêts, frère. Vas-y. Allo, allo, vous m'entendez? Bah c'est super. Ah ouais, c'est normal. Mais là, il parle sur Discord, ouais, parle sur... pas sur le jeu. Oh, putain, frère, abattu. Mute-toi Discord et fais-le. Allo, allo, on m'entend? Ça dure un peu plus, quoi. C'est vraiment une bonne affaire. Bon, j'ai l'impression que du coup. Ça sature un peu, quoi. Un peu, c'est, sinon ça va. Mais je suis content de voir qu'il n'y a pas que moi qui ai les soucis. Sinon, je vais enculer leur micro. Vas-y, la question à 10 000 euros. Je suis dans une paralysie du sommeil. Un dans une pièce écho maintenant. Je suis dans un cauchemar. Ça va être énorme cette partie. Ah, ça va être exceptionnel, je le sens. Ouvre la porte, le fut, ouvre la porte bleue là. Où ça? Là? Non, celle-là, derrière toi. Là, là? Comment j'ouvre? Faut que tu tires entre les deux cercles. Ah ouais, Kamas. Ah non, entre. Mais tu te fous de ma gueule! Allez, à ta droite, j'ai une carte. Vas-y, venez, on avance vers le B, venez, on avance. Comment on court? Attention, y'en a un là-bas. Je l'ai éteint là, non? Je l'ai éteint! Vous inquiétez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Attends, il faut que je me retourne. Mets ton sort E sur toi-même pour te soigner. Par terre, à tes pieds. Qu'est-ce que c'est que ça dedans? Ah là, ça me soigne là? Ah oh, ouais, mais vas-y, mes propres joueurs, ils me sabotent. Y'a but. Y'a pas but. Vous comprenez rien au jeu, vous avez aucun but. Ta gueule, but arrive, je te prends au nez ce but, regarde bien. Puis je vais prendre ta manette, je vais la mettre dans le cul, tu vas voir. C'est bizarre les menaces. On est even, le frère. C'est but, ça m'aide. Oh là là, c'est pour vous la team, je vous laisse. À l'attaque!
Non, va te faire baiser ta mère, toi. Va te... ah, tu prends les deux bouts, sale fils de pute. Désolé. Bah ouais, bah du coup, y'a pute. Mais va te faire enculer, sale fils de pute, va. Comment tu prends les deux bouts comme ça, frère? Mais t'as foncé dedans, frère. Terminé, terminé. Terminé, frère. Voilà, c'est une dinguerie que tu viens de faire. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie ce que tu viens de faire, c'est une dinguerie, frère. T'es nul à chier, frère. T'es nul à chier. Quand je compte toi, je viens de me suicider, je vais te mute. Quand t'es avec moi, tu dis rien, frère. T'es un agneau, sale chien, va. Oh, réveille-toi, ce bif, frère. Bah, ce que je sais, je fais plus jamais une custom et un Niski parce qu'à chaque fois, ça dit oh, mais Kamel, c'est le niveau de Niski. Et après, je dois jouer contre. Ta mère, la pute, Niski. Ta mère, toi, non, pas ta mère. Toi, t'es une merde. T'es une merde humaine. T'es un caca mis dans la poubelle pourrie, sale fils de pute, va. C'est ça que t'es, frère. Elle va t'éteindre. J'ai tellement hâte. Niski, si t'as plus aucun fan, c'est que je suis mort. Moi, je serai là. Et c'est encore un but. Niski, ta mère. Allez, ça quitte. Niquez vos mères, nique ta mère, Niski. Je fais jamais une custom avec toi. Je fais plus jamais une custom avec toi, frère. La vie de ma mère, je joue jamais avec Niski. La vie de ma mère. À chaque fois, je suis dans l'équipe la plus faible tout le temps, frère. Arrête de plaindre, toi. Ta mère, toi, ta mère, fils de pute. Toi, ferme ta gueule. Parce que quand tu joues, quand tu écoutes Niski, tu parles pas pendant 4h30, sale chien. Pendant 4h30, tu fermes ta gueule. Et quand t'es avec Niski, Niski, ah oui, Niski, l'arrêt. Oh, Niski. Fils de pute. Moi, je t'ai subi, moi. Moi, je t'ai subi. Moi je t'ai subi. La vie de ma mère, je joue pas, toi tu pas dans l'équipe favorite maintenant, c'est comme ça. Voilà, je joue pas, toi tu pas dans l'équipe favorite. Il m'a demandé custom, il y avait le numéro 1, bas qui tombait, il est en train de s'échauffer. Dans la même rengaine, de toute façon maintenant moi je veux que l'équipe gagnante, c'est tout, frère. Je suis dans l'équipe favorite, je joue pas, c'est tout, c'est comme ça. L'équipe favorite, c'est celle où je suis, Kamel. Ta gueule, toi tu sers à rien dans les games, là t'es juste un parasite vocal, c'est tout ce que t'es, frère. Si on win, je buzz cut. Ouais, abusé, frère. Moi, ouais, je buzz cut pour la coupe. Si on back to back régional, je buzz cut. La fin de boost, la frappe. Tata. Ouais. Champion. Tout est prêt. On est avec le frère Robs. Arrête de rigoler, toi, sale bâtard. Et Zesh, il est posé sur mon canapé. Il est mort de rire. Je suis dégoûté. Ça va trop bien m'aller. Vous allez sucer. Je le sens, je le sens. Ouais, le front, c'est le backboard. En vrai, je m'attendais à pire. Après, c'est pas fini, mais... Oh putain, les contours qui arrivent. C'est là que ça va se corse, les mecs. C'est Bibi, c'est enfoiré. Il a pas un poil sur le caillou, frère. Je suis dégoûté, frère. Je ressemble à Dinor, voilà. Peut-être avec les lunettes. Voilà, je veux plus de lunettes. Je veux plus jamais de lunettes de ma vie. Ma meuf a envoyé un message, j'ai même pas envie de le lire. Je vais pas l'ouvrir, je rentre pas à la maison ce soir. Je vais avoir un bonnet à côté du lit, dès qu'il y a de la lumière, je mets mon bonnet, je dors avec mon bonnet, frère. Oh, je passe quoi? Aujourd'hui est un grand jour pour Konoha, car de son existence, nous n'avons connu que les coupes de cheveux au kunai et au shuriken. J'ai pas l'ouvrir un salon. Je sais que un salon de coiffure, je vais hurler, je vais réveiller le quartier. Alors en tant que commandant Genin, j'ai pris la décision d'ouvrir le premier salon de coiffure à Konoha. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait juste me demander de venir, je serais venu. Il va m'emmener chez le coiffeur. Bien, mes respects. Que s'est-il passé? Ah bah bravo. Non mais c'était... Mazaru. Commencez à faire des bêtises alors que vous êtes... Je fais aucune bêtise. Enfin, c'est une bêtise, mais c'était celle collée à celle de mon domaine. Ne bougez pas, s'il vous plaît. C'est mort, ouais. Vous êtes un chunin dorénavant, vous devez montrer l'exemple. Alors pourquoi faites-vous ce genre de bêtises? Les Genin vous observent, et vous le savez très bien. Vous êtes une source d'inspiration. Attends, mais dis pas, tu vas pourquoi faites-vous aussi, cela bah, Puma. Sensei, est-ce que je peux m'expliquer? C'était pour protéger ma famille. J'étais dans le domaine des Uchiwa, de mon clan, et j'ai vu quelqu'un au-dessus. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'identifier. Donc j'avais l'impression qu'un espion regardait ce qui se passait. Dans votre propre village. Mais on sait jamais, imaginez que c'était un espion. Ah là là, Mazaru. Déjà assez importante. Puma, tu cela vous va à merveille. Allez vous moquer de lui, regardez sa basket là. Allez-y, allez-y, les filles, allez-y. Oh la coupe de honte. Oh la honte. Oh la honte, oh la honte. Ah la coupe. Ça va, 0 sur 10. 0 sur 10, t'es pauvre, t'es une coupe de merde. Ton Carlos est sauvé. Je mélange Siroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet t'es bloué. Je la repule à Madonna. Tu sens sur la 27ème bouger. On fonce les armées comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas rougir. Y'a des soudés 11-43.